de nos vidéos précédentes, je ne me souviens pas vraiment c'était laquelle, on s'avait dit que il y a un clash entre Aya Robert puis Leslie. Nous, on ne savait pas. Bon, c'était quelques semaines passées là que cette histoire de Aya Robert était sortie. Vous connaissez Aya Robert et Leslie? C'était des best friends. Donc, vous allez voir dans les lives, elles jouaient ensemble. Elles faisaient même, il y avait, je ne sais pas si c'était la compétition là, c'était même l'année passée que Aya Robert soutenait, et je pense, coach Amon Chic. Et puis, Leslie soutenait et Lady Sonia, je pense, c'était comme ça, si c'est pas l'opposé. C'était comme ça, si c'est pas l'opposé, j'ai dit. Donc, et puis, ils ont joué là. Toutes les abonnés de Lady Sonia supportaient la personne qui la supportait. Et les Français aussi, ça me tue. Hein, on continue, on avance mal du tout. Et puis aussi, c'était dans des camps. Et puis, ils faisaient de... on appelle ça quoi? Des jeux, hein? Des jeux TikTok. Vous connaissez les jeux là, non? On appelle ça quoi encore? Dans les homies et dans les classes. Hein? C'est quoi encore le jeu là, on fait en TikTok là? On appelle ça quoi encore? C'est pas challenge, c'est les jeux là qu'on fait là, et puis on vous met dans des classements et tout, top number one is there, et tout comme ça là. Oui, vous connaissez les jeux là, non? Hein? D'ailleurs, on a une vidéo de qui? Comment elle s'appelle encore? Pigeonnet et Tiffnet ensemble. Donc, le jeu là qui joue là dans TikTok là. Alors, c'était Aya Robert, et puis c'était Leslie. Moi, je savais, l'acier, c'était vraiment des best friends. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un message qui va venir attacher avec ce live qu'on va vous mettre tout à l'heure. Vous allez dire waouh! Parce que vous avez vu, non? D'abord, c'était quelle histoire de Google Love, hein? Que maman Carla avait posté la photo de Kilou pour soutenir Kilou dans son anniversaire de 1 year, d'une année là, et tout, je pense tout ça. Avant une année, Aya Robert n'avait pas montré son fils. Après seulement le jour de son anniversaire, que Kilou est sorti sur TikTok. Yeah? Aya Robert aussi a une grosse bouche, hein? Mais moi je l'aime aussi, mais il a aussi une grosse bouche. On va écouter dans la vidéo là. Comme il a décrit son fils, hein? Aïe, Robert. Donc, on va suivre le live. Hein? Le live ici, c'est Leslie et puis Aya Robert. Leslie même est montée, je pense, c'était même le live de Aya Robert pour se chamailler avec Aya Robert. Pourquoi? Parce que Aya Robert dénigrait la fille de Leslie qui est au village. Bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai, c'est le village ou quoi. Mais Aya Robert renchérit sur la fille. Les gens dans les commentaires disaient que Aya Robert, c'est pas toi qui a demandé pardon ici sous la toile l'année passée avant qu'on entre. C'était l'année passée, non? Que Aya Robert avait demandé pardon. Ou hein? C'était pas l'année passée, c'est en janvier, je pense. C'était même entre l'année passée, cette année, mais c'était tout close comme ça. Que Aya Robert avait demandé pardon à Kimi Makoso. Que Aya Robert a demandé pardon à tout le monde. Même à Lolo Beauté. Hey, famille. Mais c'est Aya Robert encore qui renchérit sur la fille de Leslie. Mais il faut écouter. Donc, on ne perd pas de temps. On va écouter la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses de Léos 13, le travail du Bic Rouge. Donc, on va tout suivre la vidéo. Nos salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Mouah! Salutations accompagnées de gros bisous à vous. Et puis, on salue aussi les guetteurs. Guetteurs, salutations à vous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? On vous salue. On salue aussi vous qui est ici pour votre toute première fois. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo-là, finissez la vidéo. Et puis, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Partagez. Et puis aussi, commentez-nous très, très gentiment. Ici, on est gentil. On n'allume pas les feux. Mais on est gentil. Voilà. Donc, on suit tous la vidéo. On revient qu'à la fin pour écouter les analyses de Léos 13, le travail du Bic Rouge, qui est très important pour surtout pour les nouveaux venus là. Et puis, vous saurez nous placer dans la société. Quelle place vous allez nous donner dans la société? Pour les anciens, c'est plutôt des bons conseils
que tout le monde reçoit ici sur la toile. On conseille très bien aussi nos jeunes filles, nos jeunes garçons aussi, mais on frappe le clou sur le jeune fille. Pourquoi? Parce que ce sont de futures mères. Voici la vidéo, on se retrouve à la fin pour les analyses et le stress. Délit, tu t'as 200 personnes, un coup comme ça, 3000 personnes, va payer vu pour insta kilo. Tu vas work pour lui. C'est le bébé le plus célèbre en ce moment. Ça chauffe pas. Il a dit, il est français américain, ça n'a qu'à ça, ça te fait mal. Il est français américain, c'est le meilleur kaolo. Oui, 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 oui. Il n'a pas besoin de mentir sur mon pays pour avoir papier. Non, 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 il n'a pas fait ça. Je vais rentrer dans mon pays dignement. Même s'il arrive à la réponse qu'on m'accroche, mais de pouvoir la marquer, au moins je suis parti. Que il a venu m'asseoir pour dire que je suis ici, je suis scellé. Puis après, quand on ne te prend pas dans les organisations du pays, tu te fâches. Tu te fâches. Toi, tu peux rentrer à l'ambassade. Moi, je rentre dans mon ambassade et sors. Hein. Voilà. Donc, il y a le meilleur kaolo sur mon pied. Allez là. Donc, arrêtez de m'appeler. Il n'aime pas ça. Il a vous bloqué. Arrêtez de m'appeler. Il est en train de parler à Serge. Il y a quoi? Hey, il a lui donné ça. Parce qu'elle était tôt dans mon dos. Elle a peur de moi. Elle a peur de moi. Elle ne peut pas parler. Qui va avoir peur de toi? Qui va avoir peur de toi? Moi, j'ai payé mon transport pour aller te frapper, enlever ta perruque, nettoyer, before ça, et puis revenir à la maison. À cause de ça, tu as eu vu. À cause de ça, tu es devenu quelqu'un sur la toile. C'est l'homme comme moi, il n'y a pas peur de toi. Je me suis levé chez moi, je suis allé te trouver before, te frapper comme de n'importe quoi. Frotter l'homme bouche là sur le truc. Et puis, c'est rentré chez moi à la maison. Vous étiez obligé de venir en moyen sur moi. Il y a avoir peur de toi, que quoi? C'est quel clash l'homme n'a pas fait sur Facebook ici, non, de vous à moi là. C'est quel clash l'homme n'a pas fait. C'est quel clash moi, Aya, je n'ai pas fait. C'est quel injure je n'ai pas donné quand on m'insultait. Et puis aujourd'hui, là, j'ai venu me mettre à ça. Enfin, on insulte là, quand on voit, on connaît, c'est pas qui loue. Enfin, on insulte. Tellement tu n'as rien à dire. Elle fera de son enfant. Elle, tu n'as rien à dire, c'est ridicule. Tu n'as pas besoin de ça. Il jouait les Américains. Il était top 2 France. Top 3 France. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit d'être sur le podium. T'as capté ou pas? Voilà. On allait faire télé-réalité. Il a pris terrain pour te laisser. Tu peux pas moi. Tu connais? Tu ne peux pas dans quelque chose et moi. D'accord? Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer. Et puis, il faut aller continuer à faire ta vie. Maintenant, si tu veux parler de moi, là, il faut t'asseoir, tu vas parler jusqu'à demain. Moi, Aya, là, je ne vais pas venir m'asseoir hein, pour insulter ton enfant. Si c'est ce que tu cherches, là, c'est peine perdue. Je ne vais pas insulter ta maman. Déteins ma maman comme tu l'as fait hier. Insulte mon papa, c'est ton travail. Reste dans ta saluté. Moi, je ne reste pas dedans. Si j'ai peur de toi, ce n'est pas grave. D'accord? Bravo, tu as gagné. Hein, la grande clasheuse. Faut prendre, tu vois, courir ça. J'espère que... Oui. Serge, merci pour ce live. Mais Aya, j'ai une question à te poser. Attends, je suis montée parce que, voilà, c'est par rapport à mon grand frère. Et Clamzy, c'est pas quelqu'un qui aime les histoires. C'est une personne qui me donne beaucoup de conseils et tout et tout. Je vous ai promis que les injures, je vais pas rentrer dedans. Je vous ai promis à mes abonnés et vous n'allez pas me voir dedans. Ça, je vous le dis. Parce que ce qu'elle cherchait là, c'est qu'on vienne s'insulter pour qu'elle puisse aller se victimiser. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentrerai pas dans ça. Elle n'a pas bouche que moi, mais ça ne sert à rien en fait. J'ai des gens aujourd'hui qui sont avec moi, des mères, des papas, des petites sœurs, des gens qui me conseillent. Voilà. Je ne suis pas la plus maudite de ma famille. Je ne suis pas la plus maudite de mon quartier pour persister dans la bêtise. J'en ai fait. Même dernièrement, j'ai fait clash avec mon ex-ami. Tout ça, c'est pas une fierté, en fait. Donc, si je dis les clashs, je ne rentre pas dedans. Et que par rapport à ça, tu veux m'insulter pour avoir de la visibilité, vas-y, insulte-moi. Ma chérie, je suis montée. J'ai une question. Attends, j'ai une question pour toi. Attends. Quand je suis montée là, le live était à combien? Le live était à... j'avais 900 personnes. J'ai fait monter le live à 1000, à 2000. Hein? Tu es monté. Tu es resté bloqué. À 2200 personnes, étaient blessées là. Il vient de monter, il a mis 400 personnes dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ta camarade. Il était fabriqué. L'élève ne peut jamais dépasser le maître. Poutine fort. Voilà. C'est la poutine.
tu vas rester toujours au garde à vous. Tu vas toujours serrer devant moi. Et c'est pas ta camarade. Voilà, reste dans ta bassesse, je te laisse dedans. Si tu as été trophée dedans, prends un coup de pied, fais ce que tu veux. Serge, j'écoute ta question. Aya, oui. Sincèrement, j'ai fait ce live-là, en toute honnêteté, j'ai fait ce live-là. Je ne savais pas que ce live-là même allait... Ne me parle pas de réconciliation. Non, non, je ne parle pas de réconciliation. J'ai fait ce live-là, je ne savais même pas que ça allait chavirer comme ça. Mais moi, j'ai une question à te poser. Oui. C'est gâté, on ne peut plus rien faire. Non, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un, mais je préfère être avec mes abonnés, avec des gens qui m'aiment, avec des gens qui sont sincères avec moi. Okay. Parce que moi, pour moi, quand on se parle, on s'est pardonné et on passe à autre chose. On ne garde pas de rancune dans le cœur, en fait. Moi, je n'avais, quand je me suis réconciliée avec elle, devant Dieu, Dieu m'est témoin, je n'avais pas d'arrière-pensée. J'étais entièrement vrai avec elle. Je te dis, j'étais vrai. Je ne suis pas une fausse personne. Mais ça sert à quoi de te réconcilier? Quand je l'entends dire qu'à la télé-réalité, c'était pour la télé. Donc, ton enfant, tu rigoles avec ton enfant. Tu dis que moi, j'ai incité ton enfant. Donc, tu viens mettre. C'est vrai que tu n'aimes pas ton enfant, en fait. Parce que si tu aimes ton enfant, même pour une mise en scène, tu ne vas pas accepter. Et tu as dit que j'aime mon enfant a été insulté, je n'accepte pas cette peine. Quand tu viens t'asseoir devant les gens intelligents, puis tu dis que oui, c'était pour la mise en scène. C'est pas toi. Faut te muter, bébé. Mute-toi, ça fait beaucoup de bruit. Quand tu viens dire que oui, c'était pour la mise en scène, ils t'ont payé combien à la télé-réalité là-bas? On nous a payé combien? Je ne comprends pas. C'était pas une mise en scène. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant et que moi j'ai insulté ton enfant et puis tu acceptes une telle mise en scène pour les yeux des gens. Ça veut dire que tu es tout, tu es prête à tout pour des vues, même à sacrifier ton enfant pour des vues, si on va dans ton sens. Même à sacrifier ton enfant, ne viens pas te victimiser. Si tu as livré ton enfant pour des vues, des télé-réalités, viens pas t'asseoir aujourd'hui pour dire que tu n'as pas pardonné quoi que ce soit. Dernièrement, on a fait la paix ici. Moi, j'étais entièrement sincère. Hein. Franchement, je n'avais rien dans le cœur contre toi. Et je n'ai encore rien dans le cœur contre toi. Je prie même que Dieu t'apaise. Je prie que Dieu enlève la haine en toi. Je prie que Dieu te donne Dieu montre le meilleur de toi. Faut te détendre. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, en fait. Tu comprends? Et puis ne viens pas faire genre comme si tu fais parler de Emma. Parce que tout le monde a vu comment tu as sali, tu as insulté Emma ici. Et là, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Je ne suis pas en parlable avec Emma. J'ai traité un dossier. Je n'ai aucunement insulté Emma. Je ne suis pas rentrée dans sa culotte et tout. Et elle va s'asseoir pour dire que moi, j'ai parlé du nez d'Emma. C'était en passant. J'ai fait un live. Il a dit, aïe, Emma a refait son nez. On dit oui. Il a dit, ah, on dirait que ce n'est pas encore sec. Je suis passée. Les gens font live sur le nez d'Emma. Tu m'avais fait un live sur le nez d'Emma. Tu me vois même parler de ces trucs, non? Je suis restée sur affaire de M. Touré, c'est tout. C'est vous qui êtes rentrée dans les injures. Je ne suis pas rentrée dedans. Voilà. Donc, viens pas chercher, prendre. Quand tu es en conflit avec quelqu'un que tu ne peux pas là, tu cherches à mettre les abonnés de la personne là en palabre. Non, non. Tu fais pas ça avec moi. Faut faire ça avec les autres. Faut faire ça avec les autres. Les Emma Love même savent que tu es une arriviste. Parce qu'ils t'ont vu insulter leur star. Ils t'ont vu insulter leur star, dénigrer leur star ici. Est-ce qu'ils sont bêtes? Ils sont pas bêtes. Donc, faut arrêter. Tu m'arrêtes ça. Aide-moi à détester là avec des gens. Fais ça avec les autres. Tu penses que tu peux... Ce que tu peux manipuler, là, c'est pas moi. Si je ne te réponds pas, c'est pas la peur. Si je ne te dis rien, je ne t'insulte pas aussi, là, c'est pas la peur. Si je n'insulte pas ton enfant, c'est pas la peur. C'est parce que j'ai grandi. J'ai grandi. Parce qu'il n'était pas grand, hein. J'ai grandi. Donc, faut grandir. Tu as compris? Faut grandir. Pense à ton enfant. Tu as compris? Faut penser à ton enfant. Toute ton énergie, tu veux gaspiller sur moi là. Il faut te concentrer. Tu vas prendre cette énergie là pour faire venir ta fille auprès de toi. Elle ne mérite pas de rester au village. Quand tu t'assois, tu dis que tu es une influencée, puis ton enfant est au village là. Elle te dit rien. Donc Abidjan là, c'est le totem de ton enfant. Même pour payer un petit studio pour qu'elle reste à Abidjan fréquenter, ça te dépasse. Hein? Tellement tu vas sur toi-même. Tu penses qu'à toi seul. Tu prends ton enfant seulement pour te victimiser, pour avoir la compassion des gens. C'est ça ton travail. Là, tu cherches compassion. Deux jours, là, tu as soulevé ta fille pour mettre. C'est compassion que tu cherches. Au lieu de te lever pour aller travailler, tu as 10 ans. Travailler, faire au monde familial, faire venir ton enfant, ça te dépasse. Tout l'argent que tu as eu, là, tu ne peux pas payer visa, faire venir ton enfant. Tu vas venir m'aider les gens. C'est moi qui t'ai envoyé de mettre ton enfant au village, d'envoyer ton enfant au village. Si moi, j'ai accouché mon enfant en France, toi, tu as mal, pourquoi? Il y a des gens qui pensaient, toi, tu es fâché. Toi, tu avais papier ici, là, tu m'as trop frustré. Chaque jour que Dieu fait, tu mettais ton papier pour me dire que je suis sans papier. Tu m'as traité combien de fois de sans papier? Il a fait parler de ça. Aujourd'hui, il a dit, mon enfant est français, tu es fâché. Mais c'est mon enfant est français américain.
Pourquoi tu as mal? Faut pas avoir mal, ma chérie. Il faut boire l'eau. Voilà. Je t'ai donné un peu le lait. Je t'ai donné de quoi parler. Tu vas aller vociférer, sortir tes nez, hein? Sortir tes rides. Va continuer à le faire. Mais moi, Aya, si tu comptes sur moi, venir insulter ton enfant, c'est peine perdue. Et puis, essaie de cliquer en haut, là, tu vas voir. Elle prend son faux profil. Dès qu'elle est montée, elle a eu mal, hein. Les lions que j'ai eu, elle a commencé à parler de ça, hein. Hein? Elle paye les gens pour lui envoyer les lions. Hein? Elle a pris sa force 4. Pour... C'était tellement la jalousie. Il y a un débat, parle du débat. Wesh. Wesh. Franchement, flemme. Elle monte, oui. Elle a payé sa 4 pour mettre les lions. Dans tout cela, elle a mal. Il y a des TikTok l'hiver. Les lions, il y a eu les cadeaux, elle a mal. Non, on peut jalouser sa camarade comme ça. Elle a pris son faux profil pour s'envoyer. Pourtant, les noms sont là. Attends, je vais leur dire merci. Mon grand frère Clam m'a envoyé 100K. Merci. Rocky Atraoré. Oui, merci. Diva, ma camarade Diva. Merci. Sly, merci. Sandy, merci. Coco, merci. Momo Ali, merci. La Toupie, merci. Chance, merci. Sarah, merci. Sarah Mandé, merci. L'amour de Dieu, merci. Attaquante, merci. Juju, merci. Katu, merci. Glagla, merci. Samira Touré, merci. Fashion, merci. Lams, merci. Didi, merci. Bara, merci. Dame Diesel, merci. Miku Aya, merci. Ferima, merci. Jolie Gamine, merci. Miss Dako, merci. Josia Nina, merci. Queen Cissé, merci. Jenna Steele, merci beaucoup. Miku Aya, merci. Ba, merci. DG, merci. Tout ça. Regarde jusqu'en bas, ça finit pas. Tout ça là-dedans, c'est moi qui ai créé faux profil pour qu'il m'envoie tout ça là, quoi. Hey! Toi-même, tu vois, Clamsby, Shura. Non, non, on parle plus, pardonnez. Ah, pardonnez, coulez un peu de baouin, s'il vous plaît. C'est la seule chose qui les traumatise. Il a dit, depuis, il a été top 2, là, ils n'ont pas supporté. Il a fait top 3. Il a été top 3 avec 1 700 000, ils n'ont pas supporté. Ils vont rien supporter. Hey. Sur Facebook, il était la fille la plus étoilée, ça chauffe pas. C'est pas on est dans moi des carême, il n'y a pas joué match pour m'aider. Parce que moi, je ne joue pas trop les matchs parce que je sais que c'est de l'argent que les gens mettent dans les cartes. Voilà, je joue souvent. Après, je fais mes bérets. Je vais pas toujours venir m'asseoir, envoyez-moi les cadeaux, envoyez-moi les cadeaux. Après, c'est souvent, les gens seront fatigués en fait. Voilà, c'est de l'argent, les gens mettent dans leurs cartes. Quand tu joues un peu, tu as eu un peu... Tu les laisses un peu se reposer. Moi, je suis comme ça. Moi-même, je suis la seule. Je suis en train de jouer mon abonné. Ma personne joue et puis elle dit, je ne veux plus que vous m'envoyez. Je suis la seule à faire ça. Parce que je ne veux pas trop forcer les choses. C'est pour ça que je ne fais pas trop les matchs. Je joue un peu. Je fais un peu de béret. Parce que le béret, nos combats et tout ça. Vous voyez, non. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Serge, merci beaucoup. Et puis, c'était la poutine. La poutine des First Class. Dieu vous en groupe. Arrouma. La chic maman de Kilou, maman en vente propre. La seule qui a mis l'enfant américain français au monde. On parle de Kilou. Quoi? On parle de Aya Robella, Roberta, celle qui fabrique et qui défabrique. Kilou américain? Ici! Ah! C'est de ça qu'il s'agit. On vous parle de. C'est ma marraine qui a fait son entrée. Ma marraine a fait son entrée fracassante avec un lion. C'est de ça qu'il s'agit. On te dit que la fille est entourée des personnes, des personnalités. La fille est entourée des personnes qui l'aiment, qui veulent qu'elle change. Tu es venu la soulever, la déposer dans la boue. Tu restes seule dans ta boue. Merci, marraine d'amour. Merci beaucoup. Voilà. Dans musulman, j'ai eu l'argent de couche pour mon enfant aussi. Tu as eu couche, hein. Tu as le meilleur marin. Hein? Tu ne peux pas me dire le contraire. Si tu peux pas soulever, il faut déposer. Le baril de maman Cathy qui t'a fait top 1 et puis ce deuxième, là, tu peux pas discuter. Maman Cathy, mon combat. Ah, c'est le non, maman Cathy, c'est un autre niveau. N'oubliez pas, pause publicité, n'oubliez pas, les amis. Désolé, hein, franchement, il fallait que je monte pour recadrer les choses, désolé. J'ai mon match le 17 à 23h de Paris. La première fois, c'est Chano, joue ma TikTok. Venez me soutenir. 23 heures. Je dois payer tous. Oui, 23h, heure de Côte d'Ivoire. Heure de France, pardon. Heure de France. Toi, tu as oublié qu'il y a Karem. Ah, mais c'est les gens qui m'ont envoyé. Moi, je ne sais même pas comment on joue ça. C'est mon manager qui m'a envoyé ça. 23h, heure de Paris. Venez me soutenir. Envoyez-moi. Hein?
On va essayer. En tout cas, à tous les musulmans qui me suivent, je suis vraiment désolée. Je pense que je ne vous ai pas déçu. Je m'excuse encore. Bon carême à vous. Et puis, rien que pour vous aussi, je ne peux pas venir m'asseoir. C'est un mois, c'est votre mois. Il faut respecter ce mois-là. Je ne vais pas venir m'asseoir, me salir, rentrer dans la bassesse, dans les injures, pendant que vous êtes avec moi, vous me soutenez quand il faut. Je vais venir m'asseoir. Vous êtes en carême, je ne peux pas vous apporter soutien. Je vais venir gâter votre carême en sortant des conneries qui... Non, non. Je respecte ce mois-là. C'est le mois de la femme. Voilà, donc nous-mêmes, on doit se valoriser. On ne doit pas se dénaturer. On ne doit pas se rabaisser, se dégrader. Et encore, c'est le mois... de carême pour les musulmans. Donc, je respecte ce mois-là. Aya, et moi, si ce n'est pas ce mois, je ne rentrerai pas dans les conneries. Aya, donc, en tout cas, merci. Non, mon portable, il est éteint. Hein. Donc, je suis en bas. Je vois qu'il essaie de m'appeler. Vas-y. Ok, vas-y. Moi, je vais descendre. En tout cas, bisous à tout le monde. Continue. Je suis en bas. Non, j'ai fini. Je descends. Merci à tout le monde. Voilà, je descends. Merci vraiment à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bon carême aux musulmans et que Dieu vous bénisse. Serge, merci. Bonne journée. Bye bye. Attends. Ah, je descends, attends. Voilà. Ouais, le béret d'aujourd'hui, il est fort. Ça me dépasse moi-même. Tiens, Seigneur, qui m'envoie ici même? Serge, fais-moi descendre. Qui m'envoie? Prenez les gens, fais-moi descendre, s'il te plaît. Cherche pas l'amour des gens. Tout seul. Fais-moi descendre. T'es tout seul, attends. Je bug là. Attends, je bug, attends. Attends. Elle veut se faire aimer à tout prix. Attendez une minute. Bon, ceux qui sont en carême en Côte d'Ivoire, là, voici la fille, là, elle fait panier Ramadan, elle fait panier Côte d'Ivoire, c'est Fabira Mamoudou, vous la connaissez très bien. Vous la connaissez très bien. Elle m'a envoyé un panier depuis la Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est elle en bas, je ne peux pas faire monter, c'est elle dans ma voiture. Donc, allez commander chez elle, s'il vous plaît. Contactez-la, Fabira King. Elle, vous la connaissez, je n'ai pas besoin de mettre son numéro ici. Contactez-la ou écrivez-moi pour que je puisse vous mettre en contact avec elle. Vous êtes à Abidjan, elle fait les jolis paniers carême, elle a fait les paniers de décembre, de Noël, tout ça là. Donc contactez-la. Allô? Oui, non, je descends parce que voilà, on a compris qu'elle se promène de panel en panel pour essayer d'acheter les gens avec les cadeaux. Voilà, mes abonnés m'envoient mes messages pour me dire de ne pas monter. Elle est là, mon enfant est beau. Ma chérie, regarde, mon ventre est très propre. Je n'ai même pas besoin de trop parler. Je vais aller lancer mon lave. En tout cas, merci Serge, c'était un plaisir d'être dans ton panel. Il était très correct, je n'ai pas à me plaindre. Mais ma chérie, arrête de payer les gens, c'est important. Si on t'aime vraiment, ils n'ont qu'à te prouver. Parce que je te vois souvent, comme tu dis, je paye vu là, on te voit souvent en train de jouer. Tu n'as même pas un cas. Là, vous êtes obligé de venir prouver pour payer Serge, pour qu'on te donne la parole pendant une heure. Viens, tu ne me réponds pas, tu vas travailler toute ta vie. C'est vraiment dommage. Tu oublies de te ridiculiser. Tu pleures l'amour. Faut pas pleurer l'amour, Tilapia. Tu pleures quoi? Tu pleures les cadeaux, tu pleures toute ta vie. Tu as pleuré en train de demander comme ça. Hein? C'est vraiment dommage, hein? Si on t'a demandé, là, les autres femmes, c'est pas t'insulter pour ne pas que tu prennes ça pour aller chercher ton enfant. Deux autres, t'as bien demandé, moi, j'ai besoin de tes vidéos pour que mon enfant vienne en France, que d'aller chercher mon enfant. Tu te moques même de tes abonnés que les enfants sont en France. C'est vraiment, vraiment dommage. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, mes bébés, j'ai compris, j'ai vu vos messages. On va dans nos directs, on va faire nos bérets tranquilles. Ma chérie, continue à payer tous les panélistes. Ça te fait du bien. Parce que tu as besoin de ça pour vivre. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Fais-moi descendre parce que j'arrive pas au fait. OK.
Ok, de toute façon, je vais couper le live. Désolé, mais pour apaiser les choses, on m'a appelé, on m'a demandé de couper le live. En tout cas, sachez que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous adore. Merci pour ce beret qui a été un beret de haute qualité. On va couper le live aujourd'hui. Chacun va aller boire un peu d'eau avec un peu de Nyamankuji. C'est pas tous les jours qu'on peut renchérir. C'est bon comme ça aujourd'hui, là. Vous avez gagné. Aujourd'hui, vous avez gagné. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très bientôt. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu comme, disons, le tribunal. Les réseaux sociaux deviennent un endroit pour plusieurs personnes de venir résoudre leurs problèmes, which is wrong. Mais aussi, on dit que toujours, il n'y a pas quelque chose qui est 100% mauvais ou bien 100% bon. On a vu d'autres histoires sur la toile qui a été résolue dans les réseaux sociaux. Mais si on met dans la balance, est-ce que les réseaux sociaux là, ça vraiment aide les gens à résoudre leurs problèmes? Ça, on va répondre à ça dans les comment section. Si vous avez le temps, vous pouvez répondre à cette question. Si les réseaux sociaux vraiment aide les gens à résoudre leurs problèmes. De mon côté à moi, je dirais que c'est, ça a plus de mal que de bien pour concernant cette histoire de résoudre les problèmes dans les réseaux sociaux. On voit plus de problèmes dans les réseaux sociaux que par rapport si vous résoudrez votre issue, on dit quoi, votre problème en privé. Voyez, donc c'est mieux parce que vous amenez le problème comme ça. Voyez le message qui a été écrit. Les enfants sont inclus dedans. Disons, Aya Robert comme Leslie, tous ont des abonnés. Hein? Beaucoup des abonnés. Aya Robert, c'est pas quelqu'un à petit, c'est quelqu'un grand. Elle a beaucoup des abonnés. Elle est suivie depuis Facebook. C'est comme le général Camille Makoso. Ils sont, les gens les suivaient depuis Facebook. Voyez, ils ont suivi sur TikTok là. Ah, moi je les appelle Kings and Queens of TikTok. Voyez, maintenant si Aya Robert a les clashs avec Leslie, ça inclut aussi les abonnés. Voyez, maintenant, comme on vous avait dit dans notre vidéo précédente, que quoi, les abonnés là, allez regarder notre vidéo intitulée qui a gâté la relation entre Kimi et Axel. Vous allez écouter la réponse là-bas. Ce sont les abonnés toxiques. Et ce sont les abonnés toxiques là qui ont gâté la relation entre Momo et puis Die. Pourquoi? Parce que c'était étalé dans les réseaux sociaux. C'était étalé que tout le monde y mette la bouche. Cette histoire qu'on parle aujourd'hui là, des Safarelles, si vous voyez bien, il y a des panels et des panels qui se forment pour une histoire. Mais si vous marchez dans chaque panel, vous allez écouter des versions différentes. Vous allez écouter des gens renchérir différemment, y compris leurs abonnés. Parce qu'à ce moment-là, on va dire que non, les abonnés de Aya Robert et les abonnés de Leslie sont en clash. Pourquoi? Parce que leurs queens, leurs leaders sont en clash. Vous voyez, ça cogne les têtes de combien de personnes. TikTok là, je vous ai dit, hein, nos abonnés là, TikTok, faut pas aller où. Faut pas aller là-bas. Faut pas, c'est les histoires qui sortent là-bas. Je vous dis maintes fois que on a des vidéos qu'on ne peut pas mettre. Non. Qu'on peut pas mettre ici sur notre chaîne ou bien ici sur YouTube. Mais sur TikTok là-bas, il y en a où? Il y en a. Les gens de TikTok ont même fabriqué des mots spéciaux pour s'insulter entre les uns les autres. Can you believe that? C'est comme ça TikTok est. Alors, si vous avez votre problème, n'importe qui, même si c'est la personne, vous avez rencontré la personne dans les réseaux sociaux. Mais il y a inbox, non? Sur TikTok aussi, il y a inbox. Sur Snapchat, il y a inbox. Tout les que vous voyez là, il y a inbox aussi. Ici chez nous, on met notre numéro. Si vous avez à dire, notre numéro est là. Vous pouvez nous écrire. C'est ça notre inbox. Mais là-bas, il y a inbox directement entre toi et la personne. Alors, vous pouvez gérer votre affaire sur TikTok, mais en privé. C'est pas devant tout le monde. C'est pas prendre le message qui a été écrit en privé. Vous étalez ça comme ça. Tout le monde va voir. Comme ça, la team A va être en colère contre la team B. Parce que leurs leaders sont en colère. Ça nous amène où? Et puis les clashs là, ça nous amène où?
nulle part. Ça nous amène que dans des dégâts. Alors, on répète encore ce soir que si vous avez un problème avec n'importe qui, quelle que soit que la personne, vous savez, vous mettez dans des réseaux sociaux, l'anglais là commence à revenir encore trop, je ne comprends pas pourquoi. Désolé, oh, je suis désolé. Oh. Elios 13, c'est une anglophone, je suis désolé. Donc, j'étais au même, super dit, vous voyez, l'anglais là. Donc, si vous avez rencontré la personne, quelque soit dans les réseaux sociaux, ou bien la personne que vous connaissez, il y a toujours un arrangement que vous pouvez faire pour finir les problèmes en inbox au calme. Il y avait d'autres problèmes, oui, on ne refuse pas, ça a été résolu dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que peut-être inbox, ça n'a pas donné, et puis les gens amènent ça dans les réseaux pour avoir les avis des gens. Mais sur TikTok là, il y a beaucoup plus de gens toxiques. Beaucoup plus les gens là-bas sont toxiques. Alors, nous qui avons 5 organes, hein? Nous qui avons les organes à faire là, il faut nous laisser aller là-bas pour venir ici pour vous. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci, merci infiniment à vous. Donc, ce que vous faites là, c'est trop pour nous là. C'est pour cela, nous, si vous ouvrez les cœurs ici, aïe, vous êtes là-bas dedans. Vous avez de la place, tout et chacun de vous. On vous aime particulièrement, gravement, grave. C'est comme ça on vous aime. Donc, si vous êtes ici nouveau, venu, vous êtes tombé sur la vidéo ici, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, car beaucoup de guetteurs et beaucoup de nouvelles personnes restent seulement là-bas à l'introduction et commencent à commenter. Merci à vous. Hein? Vous saurez maintenant mieux nous placer, non? Alors, pourquoi pas vous faire abonner chez Elios 13? Faites-vous abonner chez Elios 13. C'est gratuitement gratuit. Donc, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, on clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En tout cas, merci. On se voit qu'à la prochaine épisode. Nos bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Bisous, bisous à vous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.